Salut tout le monde, vous allez bien? Bref, on va parler aujourd'hui d'une crypto-monnaie qui s'appelle le CASPA. Vous savez très bien que ces jours, je m'attaque à des crypto-monnaies avec un gros potentiel de faire foison. Parce que, comme on sait très bien, durant le bear market, les crypto-monnaies classiques, ou les anciennes, ou les old school, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ces crypto-monnaies, ils ont un maximum entre x5 et x20. Idéalement, on va dire x10. Mais je me suis dit, mais pourquoi se casser la tête? Si on met un max sur une crypto qui peut faire x100, on mettra 1000 francs et ça fait 100 000. Comme avec le Solana en fait. Les gens qui ont mis 1000 francs sur Solana et ça fait x250, bah les gars, ils se trouvent avec 250 000. Mais s'ils avaient mis 1000 francs sur Bitcoin, bah, ils auront peut-être 20 000. Ce n'est pas la même chose. Bref, on va parler de CAS. Le CAS. J'entends parler, mais tout le temps, partout sur Twitter. Twitter est une mine d'or. Pour les gens qui veulent faire des recherches personnelles approfondies, il faut aller sur Twitter. C'est clair, vous pouvez me suivre. Moi, je vous donne directement l'information. Mais sur Twitter, il y a des... C'est une mine d'or. Bref, c'est un trésor pour moi. Vous pouvez me follow sur Twitter. Alors, le CAS. Le CAS, ça fait partie des crypto-monnaies qui répondent aux critères des cryptos qui peuvent faire foison. Je l'avais déjà dit. Les crypto-monnaies qui peuvent faire foison, max supply, crypto-monnaie qui est née durant le bear market, une crypto-monnaie qui a une capitalisation très faible, comme celle-là, 100 millions, pile 100 millions. Et surtout qu'ils ont une communauté énorme derrière. En plus, ça doit être utile. Et de préférence que ça sera une blockchain, un réseau, on va dire, un écosystème. Alors, le CAS, on va traiter rapidement le CAS. Le CAS, pour ceux qui veulent l'acheter, sans se prendre la tête sur Trust Wallet, toute l'histoire avec PancakeSwap, BNB, machin, acheter sur Binance, envoyer sur Trust Wallet, convertir, acheter, frais de gaz. Pour finir, vous perdez 20%. Vous pouvez l'acheter directement sur Mext. Je vous laisse le lien en bas pour ceux qui n'ont pas Mext. Mext est une mine d'or pour les nouvelles crypto-monnaies. Donc, je vous conseille fortement d'installer Mext et KuCoin et Binance of course. Donc, comme on dit, le CAS, la crypto-monnaie CASPA, on peut la trouver sur la plateforme CoinEx, TXBit et Mext. Et pour ceux qui préfèrent le Trust Wallet, vous avez le code, vous pouvez l'avoir sur avec l'adresse BNB, je pense. Elle a quoi de spécial cette crypto-monnaie, le CAS? Elle est proof of work. C'est pas comme les autres. Tout ce qui est différent est spécial. Elle est proof of work. Elle est comme le Bitcoin. Et on sait très bien que le proof of stake, c'est tout ce qui est basé sur le stacking comme l'Ethereum, Polkadot, Solana. C'est une histoire de validateur. Tout ce qui est proof of stake, les validateurs gagnent avec le staking. Et le proof of work, ce sont les mineurs qui gagnent. Alors, moi, personnellement, je pars de l'idée que de nos jours, le stacking a des ennemis. Ça veut dire, la SEC, elle veut interdire le stacking pour les particuliers. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ces informations, ça revient souvent et ça fait pas du bien pour le monde de la crypto-monnaie et c'est super dangereux. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est un revenu passif, le stacking. Vous devenez validateur parce que vous avez 500 Polkadot et vous gagnez 13%. Bah, vous n'avez pas besoin de travailler si vous avez des 10 000 Polkadot, je ne sais pas. Alors, moi, je parle de l'idée qu'il faut toujours diversifier son investissement et son idéologie aussi. Actuellement, on peut regarder que 80% des crypto-monnaies ou des réseaux, c'est proof of stake. Mais il y en a peu qui sont proof of work. Et une que j'aime bien qui est proof of work, c'est le Kadena, KDA. Le Kadena, c'est une crypto-monnaie de la banque JP Morgan. Attention, c'est une banque.
C'est une méga extra giga baleine. Le jour où le proof of stake il devient interdit ou imposable ou je sais pas, ou exclu, je sais pas, bah tout ce qui est proof of work, ça pètera. Donc il faut avoir du Bitcoin, il faut avoir du Cadena et il faut avoir du CAS. Donc vous n'allez pas le regretter. Le CAS, c'est différent. Il y en a très peu. Ouais, très peu, je veux dire, il y en a 16 milliards, mais le prix c'est 0,00644. Donc, c'est pas encore cher. Vous mettez 100 francs, vous avez déjà pas mal. Alors, moi je pense que ça vaut la peine de mettre un billet. Et en plus, ce que j'aime bien, il y a déjà 58% qui sont déjà en circulation. Et c'est une crypto qui est sortie, on va dire, été 2022. C'est tout récent, elle n'a même pas une année. Elle passe de 3-0 à 2-0. Donc, elle a déjà fait x10. Et elle risque de faire encore plus et plus et plus. Ça, j'adore ce genre de crypto-monnaie parce qu'ils naissent durant la guerre, durant le bear market. Et qu'est-ce qui se passe? Ils te font x10. Et quand tu prends des SEO durant le bull run, à la place de faire x50, elle perd le 80% et on dit, mais c'est quoi ce bordel? On n'a pas de chance. Bref, c'est un autre sujet. Apparemment, la communauté, elle est pas mal parce que moi, j'analyse toujours la communauté. C'est important. Ils sont sur Reddit, Twitter, Bitcoin Talker, Hashtag Medium. Ils ont leur communauté casse discussion. Mais on va sur Twitter pour voir combien ils ont de followers. Alors, qu'est-ce que ça dit sur Twitter? Ils ont 25 000 followers. Ghost Duck Protocol, leur écosystème. Après, moi je vous ramène des cryptos pour faire x100. Je ne suis pas là pour critiquer ou pas critiquer. Moi je me sens bien avec celle-là. Tout le monde en parle. Je vois partout ce casse. Si vous allez sur Twitter, vous allez voir tout le temps les mêmes phrases. A0, Cadena, Eged, le Quint, le Casse, le Trias, le Morphos, le Alliance Block. Donc ça, c'est des crypto-monnaies que je vous conseille de mettre quelque chose parce que vous allez le regretter si vous n'êtes pas dedans. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous mettez 100 francs, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas mis 1000 francs. Vous mettez 1000 francs, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas mis 10 000 francs. Mais essayez d'être dans le business et c'est nous qu'on décide le futur. J'espère que vous allez me dire merci quand vous serez millionnaire. Bref, ce n'est pas le sujet. Alors, dans les commentaires, vous allez trouver les liens du Caspa, Caspa Coin, le CAS. Vous allez trouver le lien pour ouvrir un compte Mext. Vous allez toucher, je pense, 10 francs pour le trading, pour ceux qui ouvrent un lien de parrainage, je crois. Et je vous conseille fortement de suivre mon Twitter parce que je donne des informations gratuites. Parce que moi, je ne demande pas d'argent. Je fais des vidéos pour le plaisir. Vous voyez très bien que je n'ai pas des millions de vues. Mais je me considère comme un YouTuber underground. Quand je parle de la crypto, je ne parle pas du BNB, Ethereum, Polkadot, Solana, les trucs classiques, old school, les années 80. Non, 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 non. Moi, je suis là, on est dans le futur. Moi, je vous parle des crypto-monnaies que vous avez l'information en 2023 ou 2024, elle a déjà fait x100. J'y crois énormément. Et comme je vous avais dit, je m'intéresse seulement à des crypto-monnaies qui ont un gros potentiel, qui répondent à beaucoup de critères. Et surtout qui peuvent faire x100. C'est pour ça que je vous demande de me soutenir avec les likes. Donc n'hésitez pas de me faire un like. Si vous aimez la vidéo, un like c'est gratuit, ça m'encourage, ça relance la chaîne, ça relance les vidéos. Et ça m'encourage à partager mes informations parce que comme j'avais dit avant, c'est gratuit. Je ne demande pas un abonnement sur Internet ou comme Crypto Recherche, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de site internet pour gagner. Moi, j'investis dans la crypto. Je prends énormément de risques, mais je partage des informations que peut-être ça va vous rendre très, très utile et peut-être riche. On ne sait pas, j'espère pour vous et pour moi. Et il y aura d'autres vidéos, d'autres surprises.
Et vous allez voir aussi que je fais mes vidéos en français parce que quand je fais mes recherches, la plupart des chaînes, ils parlent qu'en anglais. Je parle en anglais, mais j'attaque la partie francophone parce que j'habite en Suisse. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et pour moi, c'est plus simple de parler français qu'en anglais parce que même si on parle anglais, mais il y a beaucoup de termes techniques et ce n'est pas facile. J'espère que vous allez aimer découvrir cette crypto-monnaie, le Kaspa. Si vous êtes déjà au courant, bah, je vous encourage à charger. Si vous avez déjà un compte sur Mext, bah, voilà, tant mieux. Si vous n'avez pas, vous pouvez créer un compte. Je vous aime tous et à la prochaine vidéo. Peace.